Voilà, donc la dernière partie de ma collection de jeux vidéo, c'était jeux PlayStation. J'en ai pas énormément, donc je ferai une vidéo si j'en rachète d'ici là. Voilà, donc j'en ai une dizaine, je pense. Et on va commencer de suite. Alors, je vais juste dire que je remercie mes abonnés. C'est pour ça d'ailleurs que je fais cette vidéo. Je sais que c'est pas une vidéo très originale, mais bon, vu que ça plaît, bah, autant en faire, hein. Donc voilà. On va commencer direct. Alors aujourd'hui, donc il y a Crash Bandicoot que j'ai trouvé sur une brocante à 1 €. Oui, c'est vraiment l'euro symbolique. J'ai trouvé celui-là, à mon avis, il était acheté chez Cash Converter, c'est revendu après. Oui, bon, l'état est moyen, mais bon, le jeu est en anglais. Mais comme il me parle qu'au début et à la fin, bah, ça reste vraiment un grand plaisir de jouer à Crash Bandicoot, quoi. C'est du classique de chez classique. Qui ne connaît pas Crash Bandicoot, je me le demande. Alors, celui-là, il est en vachement meilleur état. Alors, Crash Bandicoot 2, ici, il y a les meilleurs. Il y a vraiment de très bons niveaux, de très bonnes idées. Donc, voilà. Et il est en français, celui-ci. C'est quand même cool, hein, parce que notre héros peut faire du patin à glace, chevaucher un ours polaire et se déplacer en apesanteur à l'aide d'un jetpack. C'est très, très cool. Bon, je l'ai acheté un peu cher, mais ça le valait, quoi. Voilà. Alors Crash Bandicoot 3, le meilleur pour beaucoup apparemment. Donc Crash Bandicoot ici voyage dans le temps. Voilà, il y a la préhistoire, l'Antiquité, l'Égypte, etc. C'est très 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 bien. C'est peut-être le meilleur de Crash Bandicoot. Enfin, il y a un peu des incohérences dans les époques, mais ça c'est pas trop grave. Il est cool. Alors bon, il y a toujours le prix. 3 € Tomb Raider, la révélation finale. C'est le 4. Voilà, c'est le 4. Mon avis, il n'y a pas grand monde qui a joué parce que, vu l'état de la boîte chez Cash Converter, c'est quand même énorme de voir l'état impeccable. Bon, c'est quand même du début que la PlayStation, donc l'univers est quand même très cubique. Mais franchement, c'est du classique, quoi. Tomb Raider, c'est des jeux cultes de la PlayStation absolument à voir. Alors Tomb Raider 3, celui-là, on n'y a jamais touché, quoi. Il y a encore les pubs à l'intérieur. Et oui, je sais pas, regardez, il y a encore ça. Et puis, il y a surtout le catalogue avec les vêtements à l'intérieur. Et voilà. Donc il me manque le 2 et le... Et le donc ça c'est le 3 et 4, donc il manque le 2 et le 5. Parce que le 1, j'ai la version anniversaire, donc j'ai pas vraiment besoin de le revoir. Donc celui-là, c'est pas le meilleur jeu du monde, hein, c'est Cusco, quoi, adapté du film, mais j'étais très content de l'avoir retrouvé parce que j'y ai joué quand j'étais petit en fait. Et il marche plus sur mon ordi, donc bah, j'étais très content de l'avoir retrouvé. Et puis j'ai réussi à aller plus loin de où j'étais, enfin, je crois. Et non, c'est pas le meilleur jeu du monde, mais c'est Cusco, quoi, c'est le meilleur Disney. Alors ici c'est un point and click avec les héros de la route d'Eldorado qui est très très bien quand même. On peut quand même lire Click and Play haut en couleur, console Max 2000. Et c'est surtout un jeu conçu par Revolution Software, le développeur de Chevalier de Baphomet. C'est un jeu culte que j'aimerais bien voir aussi. Donc voilà, c'est vous dirigez les deux héros de la route d'Eldorado, Miguel et Tullio, qui veulent chercher l'or et la gloire. Je vous l'avais dit, c'est pas une vidéo très très longue parce que j'ai pas énormément de jeux PlayStation. Alors celui-là c'est un survival horror point and click. Curieusement j'ai joué quand j'étais petit, j'avais 8 ans, je ne sais pas pourquoi j'ai joué à ça. C'est une histoire un peu refaite de Dracula. Donc Jonathan Harker va partir en Transylvanie pour récupérer sa fiancée qui a été kidnappée par le comte Dracula. Le jeu est très 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 horreur, très branché horreur. Mais le truc c'est que j'ai réussi à le finir quand j'étais petit et là je ne sais pas, j'arrive pas à le refaire. Ça s'énerve en fait. Pour toi, il est bien, hein. J'arrive pas à le refaire. L'immersion est totale. Inspiré par le roman de Bram Stoker. Ouais, c'est très bien, mais j'arrive pas à le refaire. Je sais pas, j'ai moins d'envie. C'est dommage, mais il est cool quand même. Et enfin, on termine par le meilleur jeu de la PlayStation, Metal Gear Solid. Bon, Metal Gear Solid, c'est un des. C'est le jeu à avoir sur la PlayStation, quoi. Bon, déjà, Crash Bandicoot était déjà énorme. Mais celui-là, c'est un jeu d'infiltration comme on n'en fait plus, quoi. Tous les jeux qui sont sortis après,
comme par exemple Assassin's Creed ou Hitman, bah, ça a été inspiré de ça, quoi. Alors je vais quand même l'ouvrir pour vous montrer le... La boîte c'est un peu dégladée, mais c'est du... Donc je vais quand même vous montrer un peu le manuel, qui est quand même très très beau et très très gros surtout. Il y avait une page, je vais vous montrer. Mais... Ah voilà. Superbes artworks du jeu, franchement. Donc voilà. Donc Metal Gear Solid, donc celui qui ne connaît pas bah, devrait vraiment l'essayer. Il est très difficile par contre. C'est surtout les doublages et le système de jeu qui ont fait que c'est devenu un jeu culte, quoi. Et si vous ne l'avez pas, bah, achetez-le. Moi je l'ai eu à 3 €, quoi. C'est pour vous dire que chez les magasins de jeux d'occasion, il y a moyen de trouver même les jeux les plus chers, quoi. Quand la personne n'a pas la valeur en tête, bah, il y a moyen de le trouver assez rapidement. Donc voilà. La boîte est un peu dégagée, mais ça c'est pas grave. Donc bah voilà. Mes jeux PlayStation, j'en ai pas des masses, hein, j'ai dit. Hein, donc j'en ferai sûrement une petite vidéo à l'occasion. Donc je faisais cette petite vidéo assez courte, hein, quand même 6 minutes. Pour remercier mes abonnés, et franchement, je suis très content d'avoir autant de vues. Quand j'ai commencé l'aventure YouTube, je ne pensais pas en avoir autant. Et on voilà. Et je termine par ce plan magnifique d'un artwork du jeu Bully, que je conseille aussi. Donc, bah voilà, merci à tous, et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Donc, la prochaine bah, arrivera sans doute le mercredi 31, ce sera une vidéo spéciale Halloween. Donc j'attends vos avis, hein, bon comme mauvais, moi ça me va, hein, moi il me faut des avis, c'est tout. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à regarder les autres vidéos en attendant mercredi. Voilà, merci.